Kamehameha. Et c'est parti pour ce critérium des 3 ans avec une hésitation de Kachinatsim et le favori, grand favori, hein, Cocktail Dudin qui est parti correctement à l'extérieur, tout comme d'ailleurs Kalmia Perrine qui vient. Et puis le long de la corde, Keep Going, le numéro 3 qui est en train de sprinter. Et Crystal Jocelyn fait la faute, c'est terminé pour lui. Kamehameha a perdu beaucoup de terrain, comme Kachinatsim qui se retrouve donc à l'arrière du peloton, un peloton conduit dans le premier tournant par la petite poussette de cette compétition. Kalmia Perrine, le numéro 1, on a pris son sillage avec Keep Going et on se rapproche à l'extérieur avec Canada. Ouais, Canada Belève, hein, qui a fait la faute, qui s'est retiré de la course, l'une des concurrentes en vue. Et pour passer devant les tribunes, Kalmia Perrine avec Clément Duval d'Estaing qui a l'avantage. Mais voilà à l'extérieur, Canada qui se rapproche, Keep Going également qui fait mouvement tout à l'extérieur, plutôt Cocktail Dudin, le favori, qui fait mouvement tout à l'extérieur, sous l'ovation du public. Et King Opera qui se rapproche également à l'extérieur. Et Canada qui avait précédemment accéléré pour avoir le dos, bien sûr, de Cocktail Dudin qui passe en tête pour aborder la descente. King Opera qui est venu se placer est tout de suite repris par son partenaire qui a vu venir Crack Time qui va sans doute le couvrir. Confiné est en bonne place ensuite au milieu du paquet avec également Kalmia Perrine alors qu'ils sont dans le bas de la descente sur le pied de 10. Il est le leader incontesté de cette génération, Cocktail Dudin en patron, hein, qui a donc pris l'avantage. Canada est dans son sillage avec également sur une troisième ligne côté corde Kalmia Perrine. À l'extérieur, le nez au vent, Crack Time Atou, hein, le numéro 8 qui couvre toujours King Opera. On retrouve un petit peu plus loin la présence de Confiné devant encore Kachinatsim qui vient le long de la corde avec Calimity Deripré. 1500 mètres encore à parcourir pour Cocktail Dudin qui a donc les choses en main. Canada est dans son sillage, Crack Time Matou qui est toujours à l'avant du wagon de la deuxième épaisseur. Dans son dos, il y a toujours King Opera, Confiné qui vient ensuite. Kalmia Perrine est en bonne place sur une troisième ligne côté corde. Précédent Keep Going, ils sont passés aux 1500 mètres sur le pied de 1.13.2. Ouais, le rythme est régulier, Cocktail Dudin, hein, de David Thomas d'ailleurs qui s'est retourné. Personne n'attaque à l'extérieur dans le wagon 2, hein. Crack Time Matou qui reste toujours le nez au vent. On a Canada qui patiente le long de la corde avec Kalmia Perrine également sur une quatrième ligne. On retrouve Keep Going, il n'y a pas d'attaque. King Opera venant un petit peu plus loin avec Confiné, Calamity Deripré également qui est dans la seconde partie du peloton. À l'arrière, on retrouve Kabakadgez notamment ou encore Kamehameha. À désormais moins d'un kilomètre de l'arrivée, le grand favori de la course, Cocktail Dudin à l'avant du peloton, commence à accélérer maintenant. King Opera a choisi ce moment pour porter son attaque maintenant. Il vient, King Opera à l'extérieur, encore plus à l'extérieur, Confiné, Crack Time Atou, Canada sont toujours derrière les premiers. On a bien progressé également avec Calamity Deripré qui suit dans son effort Confiné. Avec tout en contrôle, David Thomas, Cocktail Dudin qui a toujours les choses bien en main. King Opera est en deuxième position à l'extérieur. Les concurrents qui essayent peut-être de revenir. Canada qui patiente toujours le long de la corde avec Calimity Deripré, mais c'est toujours Cocktail Dudin qui a l'avantage et qui tente d'ailleurs de réaccélérer. Et à 500 mètres de l'arrivée, David Thomas vient de lui déboucher les oreilles. Il est toujours menacé à son extérieur par King Opera qui n'abdique pas maintenant. Canada qui attend l'ouverture. Il est troisième côté corde avec également Crack Time Atou qui est bien placé avec un tout petit peu plus loin. Kalmia Perrine, deux concurrents qui luttent pour l'instant qui bataille avec King Opera qui est toujours à l'extérieur de Cocktail Dudin. Attention à Crack Time Atou qui se décale désormais en troisième épaisseur. Cocktail Dudin va-t-il rompre sous l'attaque de King Opera qui passe en tête désormais? Mais attention à Crack Time Atou qui est lancé tout à l'extérieur et qui passe à son tour en tête avec Canada qui se défend bien. C'est Crack Time Atou qui va s'imposer comme son père en 2018. Il remporte ce critérium des 3 ans devant King Opera et Cocktail Dudin.